Entendre le discours de victimes qui n'ont pas été jusqu'au bout et qui se plaignent et qui prennent pas leurs responsabilités parce qu'ils n'ont pas réussi et qui mettent ça sur le dos du formateur. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sinon on fait comment les gars? Donc ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Moi je l'ai fait avec mon business en ligne sur le saxophone. Okay, donc si j'ai fait sur le saxophone, je peux le faire sur n'importe quelle thématique. Donc arrêtez de trouver des excuses les gars. Okay, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Je suis issu d'une immigration, personne nous aime. Je suis noir, mes parents ont divorcé, mon ami il est mort d'une balle dans la tête. Donc les gars, je vous dis tout ça pourquoi? Pour arrêter de trouver des excuses les gars. Il n'y a pas d'excuse. Si jamais tu veux créer ton business, tu te lances et c'est tout. Maintenant, moi, j'accompagne des personnes à créer leur business à travers mon programme Success Mining 2.0, ok? Et je te coach en fait directement sur 6 mois, ok? Donc, si jamais tu es déjà coach, expert consultant, bah, à ce moment-là, on va partir plutôt sur la création de ton offre. On va revoir ton offre pour qu'elle soit irrésistible et comment mettre en place un système de clients illimité, d'accord? Pour que tu aies plus de problèmes de clients, que tu aies plus à courir après ton client dans les séminaires, etc. partout. Et si jamais tu as déjà une passion, bah, on va vraiment travailler sur comment vendre des formations en ligne, comment commencer à avoir être libre en fait pour que tu puisses. En fait, en gros, les gars, pour que tu puisses être libre, ok. De toute façon, t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Comment choisir une bonne formation sans se faire arnaquer, ok. Donc ça, c'est une question que j'ai reçue, je sais plus quand. Voilà, mais je l'ai reçue. Je sais plus si c'était sur Instagram ou en commentaire sur une de mes vidéos. Mais voilà, je trouvais que c'était une bonne question. Donc, je vais répondre en vidéo au lieu de répondre simplement dans les commentaires ou simplement à la personne qui m'avait posé la question afin que tout le monde puisse en profiter. Alors, pour moi, selon moi, vous savez les gars que je suis un grand consommateur de formation. Okay, à partir du moment où j'ai compris que la valeur du temps était beaucoup plus élevée que l'argent, ben, quand tu as compris ça, tu achètes des formations en ligne ou tu achètes des livres, tu lis. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as compris ça, je veux dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? Ben, le rapport, c'est que quoi? Le temps, c'est la valeur la plus précieuse. Quand j'achète une formation en ligne, ça me fait gagner énormément de temps. Parce que bien sûr que je peux y arriver tout seul. Parce que c'est quoi la connaissance, c'est quoi? Parce que quand tu achètes la formation en ligne, tu achètes de la connaissance. Okay, la connaissance, c'est quoi? C'est de l'expérience. Et l'expérience, je peux la faire moi-même. Si je sais de créer mon business en ligne tout seul et tester différentes stratégies tout seul, mais ça va me faire perdre combien de temps? Ça va me faire perdre énormément de temps. Okay, c'est la même manière que si jamais tu veux aller sur Paris, tu n'as jamais été sur Paris, tu vas commencer à tester différentes routes, etc. Tu vas te perdre, tu vas revenir, tu vas machin, tu vas crever en cours de route, tu vas machin, machin, machin. Finalement, tu vas arriver sur Paris à un moment donné. Mais moi, je préfère prendre un gars qui me dit, moi, j'ai déjà fait, imagine, tu habites à Lyon, j'ai déjà fait Lyon-Paris. Je vais te dire exactement quel chemin est le plus rapide pour pouvoir aller sur Paris. Et je vais dire, ok, dis-moi ça. Et je suis prêt à te payer pour ça. Parce que j'ai pas envie de prendre 10 heures ou je sais pas 2 jours pour arriver sur Paris, alors qu'avec sa stratégie ou avec sa manière de faire, parce qu'il a déjà fait plusieurs fois, il s'est déjà fait carotte avant moi, donc du coup il sait exactement quel est le chemin plus rapide pour pouvoir aller sur Paris. Je préfère le payer et au moins je sais que j'arrive sur Paris rapidement. Est-ce que ça veut dire que sur le chemin je vais pas crever en route? Est-ce que ça veut dire que sur le chemin je vais pas rencontrer des difficultés parce qu'il y a des dodanes, okay, parce que la route finalement qui m'avait dit de prendre, ben, finalement ils ont mis un rond-point, donc ça a changé, donc du coup je suis un petit peu déstabilisé. Ok, non, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que en tout cas j'ai gagné grave du temps que si jamais j'avais essayé de le faire tout seul. Donc voilà, donc ça c'était la petite histoire pour te dire que ma valeur du temps elle est super élevée. Et donc du coup, et tous les riches fonctionnent comme ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils achètent le temps des employés. C'est ce qu'ils font les riches, parce qu'ils savent que le temps c'est ce qui tu peux pas acheter le temps. Tu peux acheter le temps des employés, mais le temps, ton temps à toi, il va toujours défiler. Donc c'est pour ça que ton temps a la plus grosse valeur que l'argent, parce que les riches, c'est exactement ce qu'ils font. Ils achètent le temps. Alors, première chose, donc premier conseil pour savoir exactement, en tout cas, je vais te dire moi comment je fais pour choisir une formation sans me faire arnaquer. Concrètement, moi, je ne me suis jamais fait arnaquer en termes de formation en ligne et je peux te dire que j'ai investi énormément. Là, je te parle de formation en ligne, après, ça peut être du coaching, ça dépend. Hein, tu vois, le coaching, c'est l'étape au-dessus de la formation en ligne. Tu vois, parce que moi, tu peux poser des questions directement, la personne te dit exactement, s'il y a des choses, tu peux l'avoir directement, c'est des questions. Première chose, c'est que je regarde les témoignages. Moi, c'est pas compliqué. Si jamais je vois que ce que je veux faire, imaginons que je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais faire, vouloir faire. À chaque fois, je prends cet exemple-là parce que je n'ai pas encore fait, mais je vais le faire tôt ou tard. C'est d'acheter une formation en ligne sur comment gérer le credit score
aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo où j'avais expliqué, mais le credit score aux États-Unis, en fait, si tu n'as pas un bon credit score ici, tu ne peux pas emprunter d'argent, en fait. Okay? Ici, c'est comme ça. Ils te donnent une carte de crédit et ils regardent si jamais tu dépenses mal ou pas. Donc, ils te tentent. Ils te donnent, tiens, 10 000 dollars, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et s'ils voient que tu crames tout et que genre tu as du mal à rembourser et tout, ils disent, ah, lui, c'est pas bon, credit score zéro. Et ils ne te prêtent plus d'argent et après, tu es super t'es foutu après. C'est super compliqué. Et par contre, l'avantage de ça, c'est que ça donne des opportunités en gros pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Quoi. Pouvoir emprunter pas mal d'argent à des taux d'intérêt pas élevés. Tu peux avoir plusieurs cartes de crédit. Donc, si tu gères bien en gros, ça peut être un gros levier pour pouvoir t'enrichir. Un gros levier d'enrichissement. Donc du coup, moi, si jamais un gars qui veut une formation en ligne sur comment faire ça, comment gérer les cartes de crédit pour, par exemple, s'enrichir, je vais regarder si jamais il y a des témoignages. S'il y a des témoignages et qu'il y a des gars qui ont réussi à le faire, et je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est simple. Okay? Après, c'est pour ça que ça, après, on part aussi, tu vois, sur du développement personnel, sur est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu as confiance? Moi, s'il y a un gars qui a réussi à le faire, je le fais, moi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. J'ai pas besoin d'une page de témoignage. Il y a 3 gars, 4 gars qui ont réussi à le faire. S'ils ont fait, je le fais. Je ne suis pas plus bête que lui. S'il a réussi à le faire, je le fais. Et d'ailleurs, ça a été mon raisonnement pour la toute première formation en ligne que j'avais fait. Je m'étais dit, pour pouvoir créer mon business en ligne sur saxophone, je m'étais dit, si jamais il y a même une personne, deux personnes qui ont réussi, même si je sais que, à l'époque, on disait que les formations en ligne, il y avait 10% de réussite ou des trucs comme ça. J'ai dit, s'il y a 10%, je fais partie des 10%. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Okay? Parce que je sais que les gens, c'est des lâches. Ils arrêtent à la moitié des trucs à chaque fois. Donc, moi, je sais que s'il y en a qui ont réussi, moi, je vais réussir. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, je regarde combien de temps la personne est là. Si la personne elle vient d'arriver, ça fait un mois qu'elle est là, franchement, je sais que c'est un peu plus risqué. Quoi. Je sais que c'est un peu plus risqué. Maintenant, si c'est une personne qui a depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, au moins 2 ans, tu vois, 2 ans, 3 ans, et qu'elle est là, et qu'elle a des témoignages, bon, c'est bon. Je sais qu'il n'y aura pas de soucis. Tu vois. Mais c'est quand même beaucoup basé sur les témoignages. Parce que même si la personne elle est nouvelle, si jamais elle a pas mal de témoignages, je vais quand même me dire non, c'est bon. Si jamais il a réussi, le gars. Si les gars ont réussi, moi, je peux le faire aussi. Et troisième chose que je fais aussi pour voir si la formation, c'est pas une arnaque ou je suis dans une bonne formation, c'est que je n'écoute pas les gens qui chialent sur YouTube. Tu vas toujours trouver un gars sur tout le monde, à part moi peut-être. Mais bon, ça serait tardé. Hein. Tu vas toujours trouver un gars qui va faire une vidéo, qui va se plaindre, qui va dire « Oui, j'ai acheté la formation de Intel, je me suis fait carotte. » Alors eux, je les écoute jamais. Ça, pour moi, c'est des grosses victimes. Les grosses victimes. Ça n'a aucun sens, tu vois, pour moi. Si jamais il y a des gens qui ont réussi, je vois qu'il y a des gens, il y a des témoignages de personnes qui ont réussi, ça, moi, ça me suffit. Les gens entendent le discours de victimes qui n'ont pas été jusqu'au bout et qui se plaignent et qui ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'ils n'ont pas réussi et qui mettent ça sur le dos du formateur, j'ai pas le temps d'écouter les victimes. Donc ça, déjà, j'évite d'écouter les victimes. Parce que je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de faire ça, c'est d'aller voir les gens qui se plaignent d'un formateur ou un truc comme ça. Mais non, les gars, s'il y a des gars qui ont réussi, c'est que ça fonctionne, c'est tout. Enfin, et comme dans la vie, comme dans tout, ben, y a toujours des gens qui réussissent pas et c'est tout. Maintenant, il faut choisir ton camp, hein, tu vois, mais j'écoute jamais les gens qui chialent. Les gens qui chialent, oui, ceci, cela, je sais pas, réussi, c'est la faute du formateur, la formation n'était pas bonne. Non, moi, j'écoute pas ça, tu vois. Alors, à moins que, genre, il y ait vraiment beaucoup de gens qui disent ça, tu vois. Mais il faut qu'il y ait plus de gens qui disent ça que de gens qui ont réussi, tu vois. Et puis après, voilà, ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus la personne elle va être connue, en fait, surtout quand c'est sur Internet, plus la personne va être connue, bah, plus les gens ils vont essayer de le clasher, ou plus les gens vont citer son nom pour pouvoir prendre du buzz, en espérant que l'autre lui réponde, comme ça, ça lui fait plus de visibilité. Donc aussi, vous ne laissez pas manipuler par ça, tu vois. Si tu vois que c'est un jeune gars qui se lance, c'est sa première vidéo, et il commence par une vidéo, n'achetez pas la formation d'un tel, il met un nom super connu, c'est juste pour ramener du trafic sur sa chaîne. Okay, donc attention de ne pas se faire avoir par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc concrètement, voilà, c'est exactement ce que je fais. Tu vois, c'est beaucoup plutôt basé sur l'ancienneté et sur les témoignages clients. Si les gars ils ont réussi à le faire, je le fais. Enfin, je ne cherche pas, je n'ai pas besoin de les appeler, les avoir au téléphone. Nanani, je sais qui je suis et je sais que si lui il l'a fait, je le fais. C'est tout. Enfin, et c'est ce caractère que tu dois avoir. N'importe qui, tu vois dans la rue, machin, s'il l'a fait, tu le fais. Comment ça? S'il a une Ferrari, tu peux avoir une Ferrari aussi. S'il est capable d'acheter une Ferrari, tu peux aussi le faire. Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? Non, s'il l'a fait, tu le fais, c'est tout. C'est juste que c'est quelque chose que tu ne sais pas. Donc, dès que tu as l'info, t'inquiète pas, tu vas faire ce qu'il faut et tu auras les mêmes résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un
j'aime pas parce que tu es vénère, tu veux pas assumer tes responsabilités et que tu crois que en fait c'est toujours le problème d'une formation si t'as pas réussi ou encore juste dans ta vie, que tu prends des formations sur Udemy et les gars ils comprennent pas pourquoi ils ont pas de résultats. Ben, va sur Udemy et on verra si jamais tu reviens me voir. Reviens me voir quand tu auras des résultats significatifs. Donc si jamais tu veux aller plus loin et tu crées ton business en ligne à partir de vendre des formations en ligne par exemple, à travers ta passion, si jamais tu as une expertise, tu as ma formation qui est dans les commentaires épinglés. Tu as juste à y accéder, tu cliques, tu verras, c'est une valeur de 200 euros au moins cette formation. J'ai mis vraiment beaucoup de valeur dedans, il y a vraiment beaucoup de contenu pour pouvoir commencer à te lancer. Mais comme c'est gratuit, les gars, ils ne se lancent pas. Voilà, parce qu'ils pensent que c'est rien. Ok, et si jamais tu es coach expert consultant, là je t'invite plutôt à cliquer sur la masterclass pour pouvoir accéder aux stratégies pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. En tout cas, je te montre comment eux ils l'ont fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Soyez tout encore.